être prêt à afin de participer à la table du Seigneur. La maison d'un pauvre. Si vous comprenez, tous les seigneurs qui ont cru, qui ont été baptisés, qui ne se reprochent de rien, qui servent le corps du Seigneur, ce soir, pour qu'il aille, on vient oui. Pour manger, pour croire, pour amen. 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 Respectez Dieu. Craignez-le. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de ceux qui respectent la parole de Dieu. Même si vous êtes. Vous êtes prêts. Vous avez écouté. Même moi. Vous allez prouver que vous êtes prêts. Mais quand ça ne vous met pas. Parce que je suis. Parle parce que je suis. Heureux d'avoir rencontré cet homme. Vous me donnez nom. Ah, le diable va le faire. Pour que ça fait. On va parler. Amen. Et maintenant, nous appelons. Le frère Léonard Jessé. Pas Léonard Jessé. De la Belgique. La Belgique. Précisément de Bruxelles. Mais c'est qui la Bruxelles. Qui viendra aussi. Et vous appelez. Vous parlez. Et vous avez amen. Amen. C'était un privilège pour moi d'être ici à cette convention. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de passer ces quelques jours avec vous. Et surtout la grâce d'avoir aussi entendu aussi mes frères. Je remercie le Seigneur parce qu'en écoutant, on arrive aussi à pouvoir aussi connaître ceux qui prêchent. Et Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir m'asseoir. Et de pouvoir aussi entendre. Je voudrais aussi, comme je pense, que notre frère venait de Jean-Christine aussi au pouvoir. D'abord, je voudrais remercier vraiment nos sœurs qui ont beaucoup préparé le nous. Ainsi que notre frère qui était donc là le cuisinier. Sincèrement, j'ai vraiment très bien mangé. Et la nourriture a été vraiment une bonne nourriture. J'ai aussi réalisé qu'ils ont vraiment préparé tout leur cœur avec beaucoup d'attention. Même le service était vraiment un service impeccable. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. Parce que ce n'est pas une tâche facile de préparer. Mais de tout mon cœur, je prie pour que Dieu vous bénisse richement. Et aussi à la chorale aussi. Et à tous ceux, frères et sœurs, qui êtes venus de loin. Parce que aussi votre présence a permis qu'il y ait cette conversion. Et aussi par-dessus tout, je remercie aussi notre. J'ai été vraiment touché dans mon cœur de voir les déploiements. Ils ont mis un véhicule aussi à ma disposition. Tous ceux qui l'ont fait, je le remercie de tout mon cœur. Certainement aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour. Je termine ici. Je continue sur le Gabon. J'aurai 5 jours à Port-Gentil. Et aussi 5 autres jours aussi à Libreville. Et après cela, je rentrerai chez moi. Chaque rencontre que nous avons,
est toujours un moment qui est privilégié pour le peuple de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir réaliser l'importance de l'action qui est posée pendant le temps dans lequel nous nous rassemblons. Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a fait la promesse dans les Saintes Écritures. Alors, nous disons, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors nous réalisons quelque chose de très important. Ce que la Bible dit, que tous ceux qui sont conduits par celui qui se prétend être ou celui qui croit être, mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, celui-là est un fils de Dieu. Et si donc il est fils de Dieu, alors l'Esprit de Dieu, pas le frère, pas la soeur, pas le pasteur, vous répétez, pas le prédicateur. Mais bien l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qu'il est fils de Dieu. Alléluia. Maintenant la question est celle-ci. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage à mon esprit que moi je suis fils de Dieu? Dans le livre de Romains, au chapitre 8, que je voudrais lire avec vous, les Saintes Écritures nous montrent une chose qui est vraiment très important pour nous. Romains au chapitre 8, et nous lisons ici d'abord verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis nous voyons dans ma Bible qu'il y a un point. Et quand on s'arrête là, alors on crie, mais je crois qu'il y a un petit problème. Si vous avez la version Sego, et que vous lisez cette écriture, dans la version selon, elle continue en disant, pour ceux qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. Donc il y a une différence. Parce que la Bible fait par ici qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, plus bas, il continue. Le verset suivant, nous pouvons lire à partir du verset 9. Et 10. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est merveilleux, ça. Il dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je voudrais que vous regardiez ces chiffres. Lorsqu'un homme vient à Christ, il reçoit comme son sauveur personnel. Cette étape-là, comme vous le savez, c'est la justification. Dans la justification, Dieu n'est pas là-dedans. Dans la justification, c'est l'Esprit qui agit en vous. Alors, cette étape, effectivement, de la justification doit être accompagnée de cette étape, effectivement, de la sanctification. Et tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit, effectivement, qui travaille. Donc, il y a une partie.
partie effectivement de Dieu quand on vient à lui. Puis son mot effectivement la sanctification. Et encore un peu plus davantage. Vous direz, mes frères, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? C'est tout à fait ça. Lorsqu'un enfant est né, il est d'abord au stade du bébé. Et puis à un certain moment, il devient un jeune homme. Et puis à un certain moment, il doit être un âge aussi mûr. Donc il y a quand même des progressions, même dans la naissance naturelle. Alors, quand est-ce que réellement Dieu prend possession de l'homme? Et j'ai entendu ce matin mon bien-aimé frère qui dit ce qui parlait de la persévérance. Quand est-ce que réellement Dieu prend possession de l'homme? Parce que les saintes écritures nous montrent que Dieu est saint. Saint et l'Éternel, notre Dieu. Lorsque nous venons du monde, nous avons notre façon de pouvoir voir le chemin. Quand bien même nous avons accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, il y a toujours la nature charnelle qui demeure en nous. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a parlé de la sanctification? En fait, la sanctification, c'est le nettoyage complet et total. Dieu nettoie le vase qui vient de ramasser. Il nettoie ton caractère. Ta nature, parce que Dieu ne peut pas habiter avec ta nature. Dieu, comme il est saint, il veut un vase saint, il veut un lieu saint, parce qu'il ne peut pas habiter dans un lieu souillé. Alléluia. Ce qu'il dit, c'est ceci. Il faut penser à vous. Non, ma base à vous. Ils sont pâles. Ma base à vous. Que la nature de l'homme fait que l'homme toujours un être charnel. David disait, j'ai été conçu dans l'iniquité. Ma soudaine, ma mais mon père m'a aussi conçu dans le péché. Mon père peut être dans la soudaine. Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond de toi. Alléluia. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole. Et Dieu veut donc nettoyer le monde pour qu'il puisse en prendre possession. C'est comme cela que le caractère de l'homme commence à pouvoir être un caractère tout à fait différent. L'homme qui hier était un voleur, un menteur, sa façon de parler commence à pouvoir changer. Et comment cela se fait-il? C'est parce que Dieu est en train de faire un travail. Qu'est-ce que Dieu cherche à pouvoir avoir? Parce que quand on te regarde, on te voit toi. Vous vous souvenez de la question? Et Thomas a posé la question. Il est venu à parler du Père. Maintenant, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Alors vous dites, mais il y a si longtemps que je suis avec toi. Ah, tu ne m'as pas reconnu. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Et le pasteur, mais vous, que pensez-vous à vous dire? Il a parlé en fait de l'empreinte, de l'image du Dieu invisible.
Donc si toi et moi nous voulons voir Dieu, c'est donc en Jésus-Christ. Jésus, notre Seigneur, est l'image de Dieu. La Bible dit. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit aussi de nous? Et nous avons été créés aussi à l'image de Dieu. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, tel il est aussi nous devons faire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, alléluia, c'est le Seigneur de gloire. Qu'est-ce que Dieu cherche en toi? Il veut enlever tout ce qui est de toi pour que Dieu puisse le refléter en toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul me dit, c'est le plus moi qui vis. Parce que si moi je continue à vivre, Christ ne peut pas vivre en moi. Aussi longtemps que tu as ta propre vie à toi, aussi longtemps que tu as ta propre nature à toi, aussi longtemps que tu as des choses qui te plaisent toi comme tu le veux, Dieu ne peut rien faire avec toi. Chers amis, dans les choses de Dieu, il faut que nous soyons conscients. Quand on parle de la foi, ce n'est pas quelque chose qui est comme on marche comme à la non. La foi est une ferme, Seigneur. Donc, une chose qui est réelle. Parce que comme la Bible dit, Dieu a jeté le regard. Et si aujourd'hui, les nations ont pu avoir la lumière, et l'évangile est allé vers les nations, ce n'était pas pour les nations. Non. Parce que la Bible dit, Dieu a jeté le regard parmi les nations. Ce que Dieu fait. Puisqu'il est venu chercher le ciel, la lumière doit aussi frapper aussi tout le monde. C'est pourquoi faire ça. Tous ne peuvent pas croire le message de ton histoire. Les dénominations resteront des dénominations. Alléluia. Parce que le regard du Seigneur s'est tourné vers les nations. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'est pas venu chercher n'importe qui. Parce que Dieu, chez nous, nous avons de ces hommes-là qu'on appelle des éboueurs. Un éboueur, c'est quelqu'un qui suit le camion, qui ramasse les saletés. Non. Les éboueurs,
alors c'est que le camion des saletés avant de suivre la masse, parce que chez nous on met les saletés dans le sang. Qui marche avec nous, qui ont même chassé les démons,
beaucoup de choses. Ils l'ont regardé. Dis le mon frère, qui me supportait. Il n'a vu qu'il a été parent. Pendant que tu viens. Alors il a vu simplement. Le docteur, l'autre commença à se lever parti. Si il était comme les autres prédicateurs dans les églises nationales, il veut simplement que dans les églises, il y ait des membres pour les dîmes et les offrandes. Il a vu la vie, il a vu la vie. 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 Seigneur, vous, on est à bientôt. Dans le temps, vous aussi.
Dans leur
travaillait. Ça travaillait. Et il savait. On savait. Et c'est Jésus. Il est vraiment. Là, on a ma quête. Ça, c'est ça. Quand ils l'ont amené. Ça, on va même vous appeler à la ma fin. Quelqu'un. Voilà. Donc, ça, oui, je suis sous moi, c'est une lac avec toi. Et nous devons l'appliquer des deux femmes. Maintenant, vous faites quelque chose dans votre vie. Le Seigneur n'a jamais dit. Vous ne pouvez pas faire. Que ce que Moïse avait dit. Il n'a pas mangé, tout va. N'est pas conforme. Il n'y a qu'à rien à faire. Non. Et parce que c'est celui qui a donné la parole à Moïse. Oui, il n'y a que ça qu'à manger, le prophète. Mais le peuple, quand c'est le cas, il écoutait Moïse. Non, oui, la mange. Ils n'ont pas prêté attention. Bah, on fait ça qu'a fait. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ne l'aime pas la Bible. Vous devez l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. C'est ça. Souvent les gens sont choqués. Il n'y a que la vérité qui peut vous rendre libre. Si je reviens à la fin, si vous remarquez dans le Saint Écriture, dans le livre de l'Apocalypse, regardez ce qui est écrit. Ça, c'est quand même très étonnant. Même le chapitre 2, au moment où le Seigneur a commencé, on est effectivement le message. Regardez. Lisons simplement l'Écriture, Apocalypse au chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Alors là, nous voyons que le message est donné au messager. Il faut que le messager puisse apporter son message. C'est ce que nous voulons dire, non? C'est ce qui est écrit, non? Écrit à l'ange de l'église de Fès. Le message est donc au messager. Et voilà que le messager doit proclamer son message. Quand il a proclamé son message, il a terminé. Regardez ce qui est étrange. Et ça, nous lisons cela au verset 7. Après ce 2, chapitre 2, verset 7. Et dit ceci, que celui qui a des oreilles entend ce que le messager dit. C'est-à-dire comme ça. Et pourtant, vous dites avec moi, nous le réunissons. Et celui qui a des oreilles entend ce que le messager dit. Ces gens qui disent ça, pour voir la foi qui me marie.
Nous perdons beaucoup de temps dans des choses tellement inutiles. Alors que le Seigneur veut que nous puissions réellement fixer le regard. Sur les choses qui sont importantes. Je reviens à la femme après. Juste une exception. Regardez comme mon frère ici de la question. Il nous a lui donné des et puis nous a ramené effectivement quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Il s'est fait donc arrêté à Kadesh Barnéa. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des espions pour aller voir le pays en question. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ce pays. Mais ils en avaient entendu parler. Parce que Dieu leur avait dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alors on a envoyé des espions pour aller voir. Si les choses sont ainsi, vous l'avez entendu. Il y avait aussi Josué et Caleb. Ils sont partis avec les autres aussi. Et tous ont parmi le pays. Ils ont vu le même pays. Maintenant, ils vont revenir pour maintenant rapporter ce qu'ils ont vu. Alors, tous, ils ont dit ceci. Le groupe qui était là. Là, le pays est comme le Seigneur l'a dit. Alors s'il est comme le Seigneur l'a dit, glorifions Dieu, prenons possession. Puisque vous nous avez dit que le pays est comme le Seigneur l'a dit, le Seigneur a dit la vérité, et puis nous a dit les possessions. Il y a un problème, c'est qu'en parcourant le pays, nous avons vu des fils d'Anak qui sont des géants. Ils se sont jugés eux-mêmes. Ils se sont jugés eux-mêmes. Ils sont capables de prendre part à la possession que Dieu leur a donnée. Maintenant, Josué et Caleb. Ils se lèvent. Ils disent, mais le pays est comme le Seigneur l'a dit. As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Depuis que toi, dans la ligne, quand tu regardes cette dénomination, dans la ligne, oh, ce sont des poubelles, dans la dénomination, dans la dénomination. Mais toi, mais tu es où? Moi, je suis avec elle. Depuis que tu as pris, dans la ligne, est-ce que Dieu a-t-il confirmé que toi, tu lui appartiens? Dans la dernière ligne, tu viens de vous la dire. Parce qu'une chose, les clés que je vois au Seigneur. Une autre chose, c'est que le Seigneur doit confirmer. Et ta foi, c'est une forme à ce que lui veut. Ce n'est pas parce que vous nous enseignez, nous allons voir. Vous savez, j'ai entendu mon frère qui parlait, le prophète ici.
Que Dieu vous accorde la grâce. Nous devons honorer tous les hommes de Dieu. Mais nous ne devons pas mélanger les hommes de Dieu avec Dieu. Chaque homme qui sert Dieu, ça va être choqué. William Marlon Branham. Aujourd'hui, nous disons un grand homme de Dieu. Vous avez des choses à qui ça devient ça. Pourquoi vous dites qu'il était un grand homme? Ça devient ça. Parce qu'il est le Branham. Ça vient de Branham. Non. Mais c'est parce que le Dieu du ciel s'est intéressé à lui. Si Dieu ne s'était jamais intéressé à lui, vous ne l'aurez jamais connu. Alléluia. Alors, qui est celui qui est important? On parle tellement beaucoup trop de William Branham. C'est normal que les gens du dehors vous traitent de Branhamistes. Il y a que le monde n'est pas mon clavier, le monde dit la Branham, enfin Branham. Qui a ouvert le Réunion en rassemblement, on peut se retrouver sans citer William Branham. À terme, vous pouvez dire, on va pas vous donner la connexion sans vous dire William Branham. Oh, nous sommes là, c'est pas ce William Branham. William Branham nous a sonné. William Branham ne m'a jamais soumis. Mais c'est
c'est donc pour lesquels Dieu nous a appelé. Ça, ça veut dire que nous avons le bon réaliser effectivement. Mais il faut la vie, ça ce que Dieu fait dans son temps. Amen. Dieu n'a rien à voir avec les fanatiques. Non, Dieu a à voir avec un peuple saint. Amen. Mis à part. Il y a un purifié. Il y a un pédosoie. Il y a un pédosoie. Mis à part. Comme nous le disons, le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean au chapitre 10, c'est le Seigneur Jésus. Il dit que je suis le bon berger. Il dit le bon berger, berger, appelle ses propres brebis. Quand il les appelle, la Bible dit, qu'il les appelle par leur nom. Le Seigneur appelle le sien par leur nom. Et quand il les appelle, ils entendent sa voix. Ils reconnaissent sa voix. Et ce qu'il faut, il fait sortir ses brebis. Quand il fait sortir ses propres brebis, parce que dans une bergerie, il peut y avoir aussi des bergers qui ont mis aussi leurs brebis à dedans. Oui, allez là-bas, Israël, vous pouvez voir. Vous pouvez avoir un hangar comme ceci. Puis chaque berger vient aussi avec ses brebis. Quand son volume de l'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi, pour qu'il soit gardé dans la pêcheur. Maintenant il dit, quand je rentre à la pêcheur, j'appelle le brebis par leur nom. Parce qu'il y a un nom. Cela ne m'appartient pas. Cela appartient à la fin de son livre. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que tu crois? Oh oui, oui, oui. Je suis Baptiste. Mais tu m'as oublié, je suis pas prodigue. C'est pourquoi je vous ai dit ici. Non, tu l'as pas vu là-bas. Ça a dû choquer, mais ça a rien dans ça parce que ma télé. Il y a beaucoup de Jésus. Bah, il y a ce que les mises. Il y a que les mises. Ça dépend lesquels vous avez reçus. Il y a que vous avez la main de là. Si vous avez reçu le Jésus de Baptiste, quand les gens ont dit sur mon baptiste, vous devenez un baptiste. Vous accrochez aux traditions baptistes. Si vous avez reçu le Jésus de Pentecôte, vous devenez aussi un Pentecôte. Pourquoi? Parce que le Jésus de Baptiste, le Jésus de presbytère, il est toujours taillé selon leur propre doctrine. Donc vous l'acceptez avec leur doctrine et vous devenez membre de le Jésus de la Bible. Non, il est différent. Il est la plénitude de la divinité, mon frère. Il est la plénitude, toute la plénitude habite en lui. Je vous ai posé la question la dernière fois. Comment est-ce que vous êtes devenu enfant de Dieu? Comment vous savez que vous êtes devenu enfant? Parce que vous avez fait beaucoup de gymnastiques. Parce que vous priez tous les jours à genoux, je vous avez ce parce que je chante tous les jours. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, a donné le pouvoir de devenir enfant. Les pères sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, il y a une chose que vous devez bien faire très attention. C'est la manière dont vous croyez ce que vous recevez. Il y a des questions de la foi que vous avez. Et la manière dont vous recevez la chose que vous faites. Si nous revenons à la femme, l'Écriture nous dit que Moïse a dit, Moshe Tumaka,
D'abord, nous terminons avec le, les troupeaux. Mais demain, ça ne va pas. Il sort. Il est fait sortir. Regardez ce qui se passe. La Bible dit il est que lui, le bon berger, il marche devant. Il marche devant. Tous les bébés qui sont sortis, ils ont le regard sur lui. Et les bébés le suivent. Toi, qui est-ce que tu suis? Amen. Qui est-ce que toi, tu suis? On a élevé tellement l'homme de pauvre maintenant que. On a tellement élevé l'homme. Que dans le cœur des êtres comme des hommes. On fait la si un million maintenant n'est pas. C'est comme s'il n'y a pas de ça. Il y a des motifs que tu vas me faire. Et puis pour que le prédicateur montre qu'il prêche. Sans que nous l'homme s'il a accepté. Il a fait sortir une visitation. D'ailleurs, le prophète a dit. Même si ça ne comporte pas avec la parole de Dieu, tu vas alléluia, 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 Je ne vois qu'un homme de l'autre. J'ai dit une fois la crise, mais c'est le monde monté. Père, je l'ai l'air de pour la vie. Jusqu'à ce que pendant l'année de Dieu, tu n'as qu'un homme de l'autre, mais tu n'as pas. Je trouve. Amen. Il y a une soeur. Vous, c'est moi, qui est à l'Assemblée à Bruxelles. Là, du monde qu'on a à Bruxelles. Cette soeur. Vous, c'est qui là? Était là-haut en France. Là, la tête est quoi dans la face des côtés où se trouve mon frère. Mais c'est bien pas. Il y a la paix d'église. Il y a la paix d'église. Il y a une soeur qui se trouve dans mon frère. Il y a quelqu'un qui bouge, c'est un détour. Elle aime le Seigneur. Un seul enfant. Et alors là, l'église, là. Il y a du monde. C'était le métier de ça. Je vais aller avec on a compris. Vous savez comment on fait d'abord? Nous avons tout dans les sacrés. Montrez que vous croyez de ça. Vous l'avez sacré clairement. Vous dites que si vous ne voulez pas. Vous n'avez pas dans l'air. Vous n'avez pas la même notion. J'ai toujours posé la question. Oui, Flava, si on s'est écrit où? Les gars sont là ici. Amen. Parce que quand vous dites une chose, t'as toi, diable de Dieu, quand vous l'avez prouvé, par les signes. La femme est ma soeur et l'homme. Mon frère et ma soeur. Partout que vous savez que ça nous choque. Il y a le moyen de savoir le faire. Mais vous savez, ceci est tellement d'une importance capitale. Il y a quelqu'un qui se trouve le mien pour chaque croyant. D'accord, son mec. Chaque véritable. La France, on va la faire dans la clinique. Vous allez une chose. Vous allez faire la diable aussi. Si aujourd'hui, quand elle vous, toi, Nguyen et moi, Namon, nous croyons. Mais tu croyais qu'il y a là. William Marie Brana. Et le message. Il y a quel est le petit bac. C'était pas. Il y a un bac à sa mort. Pourquoi nous croyons. Sans même la croyais qu'il y a. Si toi et moi aujourd'hui, nous croyons. Quand Nguyen a voulu la croyais qu'il y a. Cet homme, tu parles. Ton message que tu as parlé. Il n'a pas seulement quand même son aussi. Lui qui vient avec l'esprit. Pourquoi nous le croyons? Ça veut dire que d'ailleurs. Vous et moi nous le croyons. Mais nous l'avons bien tenu à moi. Je le vois. Parce que c'est écrit. Ah, ah, si ah, ce n'était pas écrit. Il veut faire du miracle et du faisait. Il y a aussi un humain. Ça n'avait rien à voir avec l'écriture. Il y a un homme qui est là. Mais pas ce qui est écrit dans les saintes écritures. Ça veut dire que nous sommes dans l'homme. Et qu'un promesse va être manifesté. Mais non, nous sommes dans Jésus. Il est là comme nous. Qu'est-ce que c'est Dieu. Ça, c'est ça. C'est dans les saints. Ça me vient de la solo, mais alors. Donc, regardez. Mais le temps. Qu'est-ce qu'il faut pour montrer que, oh, ils sont dans la messe. Et qui va se lasser, qui va la carte à mon cœur. C'est là que je vois la foule des gens. Donc, là, on est là, on va voir. Destruction. Non. Mais là, venez, c'est la route. Lorsque le septième jour est couvert. Il est écrit qu'il y a eu un silence de mieux. Il y a ce qu'on appelle un dimoumou. Dans tous les églises du Pécha. Dans la boue du que Dieu bénisse mon frère béni. Vive dans sa place. Quand je suis entré. Quand je suis entré. Je regardais. On a pris la parce que dans chaque église dans le salle. Quand ça, je vous l'ai vous trouverez. Où il y a ma jeune boîte. Et puis, au quand vous n'avez pas ça, mais la là, vous, fait, vous ne pouvez pas faire ça. Vous l'avez fait. Mon frère et ma soeur, pardon, vous savez, vous savez ce que c'est. C'est du spiritisme. Il a créé c'est vraiment du spiritisme. Il a créé vous avez
Ne porte pas de vêtements. Ne porte pas de vêtements. Ne porte pas de vêtements.
bien. Et moi, tu ne veux pas que ça. Tu ne veux pas que ça. Tu ne veux pas que ça. Vous n'avez pas déjà dit ça. Vous n'avez pas déjà ça. Oh, Seigneur. Oh, vous ne pas les clients. Voilà, moi, je vais vous poser une question. Oui, vous l'avez oublié. Bon, je vais la répéter parce que c'est ça. Regardez ceci. Mais là, derrière. Le jour de Pentecôte. Nous, à Pentecôte. Parce que je vais me répéter. Le jour de Pentecôte. Nous, à Pentecôte. Quand Pierre et les autres étaient remplis du Saint-Esprit. Quand Pierre et les autres étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre, c'est fini. Il a prêché la parole de Dieu. L'homme a pas il a montré que l'écriture on a attribué à David. Que Dieu ne permettra pas qu'il nous serve à la fonction. Il est souvent la guerre. Il n'est pas rien. David, il est mort. Dans une fois, il est en cellule. Son cellule, il a mangé au lit. Mais c'est lui que Dieu nous a envoyé. Il est ressuscité. C'est donc de lui que David a parlé. Les hommes entendaient ça. Et puis ils démontraient que toute la maison d'Israël avec certitude que Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui entendaient la parole, leur cœur fut vivement touché. Quand le cœur est touché, pas ici. Parce que mon précieux frère Bamana parlait de tout de la compréhension. De mais vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas la compréhension de la tête, mais la compréhension du cœur. C'est écrit dans Matthieu chapitre 13. Alors selon ma tête, vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? C'est vrai. Vous voulez que je vous lise? Nous sommes qui nous amen. Amen. Ah, le peuple se convertisse. La bonne et qui de nous comprenne. 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 La bonne Il rentre chez lui, il dit mais j'ai trois voitures ici.
Ils ne se sont pas entendus. Oh, oui, ça l'a fait. Et lui, j'ai mis dans sa maison. Il a dit, et il cherche trois fois que ici, il faut que tu la fasses. J'avais l'argent. J'avais la maison du Seigneur. Il y a un pour que ça prenne le travail. Ça me dit. Fais chacun d'eux. Mosse de mort. Guerre n'a fait jamais péché. Personne n'a fait jamais. Allez prendre l'argent. Il me l'a prendre. Pour les fonds de vos biens. Non. Le Seigneur Jésus. Comment notre frère, Pascal Pamarade, m'a montré de son frère. Ah oui, un peu Pascal. Il n'a jamais chassé Judas. Il a chassé la tafiote de Judas. Jamais. La tafiote. Il n'a jamais chassé Judas. Il a bien ça avec Judas. C'est Judas lui-même. Judas lui-même. Judas lui-même. Il a le mot de qui s'est levé. Il a le et il est parti. Il a le point. Vous savez ce qui s'est passé? Qui ça va? Pendant que Judas était avec le Seigneur, la table lui-même avait dit qu'il en a fou. Il était toujours en contact avec les Samédrins. Il y a quand même une toile de ma foule ma boule. C'est lui-même. Il a le mot. Avant que le Seigneur lui ne pas fait ce que tu dois faire, il a le mot. C'est lui-même. D'abord, qui est allé me voir? Il y a le mot qu'on a mis en avant. Vous voulez que je vous le lise? Mais parce que vous textez la même lettre. Pourtant, il était à l'assemblée. Il y a quelqu'un qui pourrait y aller. Alléluia. Ah oui, mon frère. Et la femme. Prêche la femme. C'est la parole de Dieu qui sépare. C'est pas la dame qui fait ça. Depuis le commencement. Et la haine même séparée. La lumière dans la tête. Il y a une femme qui mort, c'est que ça m'a tombé. Mon frère et ma soeur. Parle de vous savoir. Vos frères et soeurs. Dans le cas là, vous savez. Et que le frère prédicateur aussi. Vous n'avez pas besoin de supplier la fille de Dieu. De supplier une fille de Dieu. Vous êtes dans la foi depuis des années. Mais c'est toujours vous vers vous qui dites je les soeurs, comment est-ce que tu ne peux pas faire ça? Quand il y a des gens qui vous ont dit, mon frère, comment est-ce que tu ne peux pas faire ça? Oh, parle, ça n'est pas ça, même tu viens. Il faut quand même que tu fasses ce que tu veux. Il faut que tu fasses ce que tu veux. Vous répétez ça. On est là, vous dites la chose là, vous avez dit. Attaque, il va rester là-bas. On ne peut pas suivre. Maintenant, on dit la vérité. On ne peut pas forcer. Maintenant, puis que ça devait. Jamais dans les scènes écritures. Attention, il n'y a pas ce que tu veux. Dieu n'a forcé quelqu'un à faire quelque chose. Ça ne pique pas la clima. Dieu ne l'oblige pas de se rapporter forcément. Ça indique que ça avait du pouce dans le loin d'un délai. Dieu ne vous interdit pas de porter des pantalons. Ça ne vient pas de loin dans le pantalon. Dieu ne vous interdit pas. Si vous ne le faites pas, ce que c'est interdit. Quand la Bible c'est là qu'avec les saints, tu vas dire, vous n'avez pas mis la parole de Dieu en pratique. Vous n'avez même pas mis la parole de Dieu en pratique. Parce que vous faites quelque chose comme une hypocrite. Mais donc c'est là qu'il m'a encore dit, dis ce que tu as fait. Je vais le faire pour qu'on voit que j'ai cru. Ça me va être un peu là. Non. Parce que quand tu as cru, tu as reconnu que ce que tu étais était mauvais. Mais par où la tu n'as pas la parole de Dieu? Ce que le Seigneur t'a dit. Bon, ben la fin de la personne qui a dit donc. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps qui est ça. Nous prions en disant quoi? Donc, ça va nous travailler. Notre Père qui est aux cieux. La gravité la raison. Que ma volonté soit faite sur la terre. Nous sommes en train de faire. C'est toi qui dis, non? Qu'est-ce que tu dis? Que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, je veux faire ta volonté. Mais ça va nous aider. Et quand on doit faire. On prend plaisir à faire la chose. Donc quand la Bible dit, okay, c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements.
Donc, moi je veux me considérer par rapport à la relation que j'ai avec Dieu. Dieu me dit, moi, que cette chose n'est pas bonne. Qu'est-ce que je ressens? D'abord, il faut d'abord que tu sois convaincu. Seigneur, ça c'est vrai. Je me souviens une fois, à l'assemblée à Bruxelles, il y a une soeur, vous étiez à l'assemblée, une dame est venue. Il avait son pantalon. La soeur qui était à l'assemblée, elle s'élève rapidement avec son bain, elle va ouvrir la dame qui était venue. Je regardais. Je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire ça. Pourquoi vous voulez couvrir cette dame-là? Ça veut dire que quelqu'un. Elle a son pantalon. Elle a la pantalon, c'est là qu'elle vient s'asseoir. Dès qu'elle est en vanne, elle écoute la parole. Quand la parole m'a convaincu, quand on parle de lorsqu'elle rentrera à la maison, elle-même. N'est-ce pas que nous l'avons entendu? Il y a quelques petits peu de que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que le Seigneur a dit l'Esprit de vérité qui vous conduit là dans toute la vérité? Si cette écriture est la vérité, l'Esprit du Seigneur va te conduire de là. Il va te convaincre toi du péché. Je
parle de vous savoir. Si tu es une fille, quand tu te bats avec comme ça, le Saint-Esprit te dit, ma fille, ça c'est le bon pour toi. Ça c'est le bon pour toi. Toi tu es en moi. Ton corps est comme ça. Nous le couvre de la bonne manière. Mais on va que le chien qui soit à l'extérieur. Ça va aller je te respecte. Une femme qui est bien habillée. Et elle est honorée par les hommes. Ce n'est pas tous les chiens qu'on voit là. Il y a des gens qui ne portent pas sous vêtements dehors. Mon frère, ma soeur, allez-vous décider à une chose pas. Sur les rues de Jérusalem, où